Hey, salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. On va aller chez Action, La Farfouille, Jiffy, Stokomani. J'ai oublié de juste de faire la vidéo pour montrer dans le magasin, mais ça c'est pas trop grave. Je suis allée assez vite quand même pour vous dire si vous souhaitez pas regarder juste après. Il y aura un haul à la fin évidemment. J'espère que ça vous plaira. Je suis allée dans deux Actions différents. La Farfouille, chercher des petites décos pour pas Halloween, mais excusez-moi, je suis un peu ailleurs, pour surtout l'automne. J'ai trouvé pas mal de petites choses, surtout à La Farfouille, donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, et on se retrouve tout de suite pour la vidéo avec des petits commentaires. Donc nous voilà maintenant, j'espère que le son sera bien aussi, que ce sera pas trop long pour vous parce que en fait j'ai décidé de vous faire quelque chose un peu particulier, différent de d'habitude. Désolée si je vais trop vite aussi parce que j'ai voulu vous montrer vraiment faire un vlog genre dans le jus on va dire, à vous montrer ce que je pensais vous montrer. Donc là vous avez un peu les nouveautés de la semaine, les bons plans, les nouvelles choses aussi au niveau tout ce qui est téléphone, donc c'est pour ça. Donc je m'excuse déjà d'avance si je vais trop vite. J'ai décidé de vous faire deux actions différentes aussi pour vous trouver de la décoration. J'en ai trouvé dans un et pas l'autre. Celui-ci, je n'ai pas trouvé de décoration. Donc ce n'est pas grave, je voulais vraiment vous trouver une décoration automnale, vous faire quelque chose un peu sympa et tout. Je vous ai trouvé des petites décos, surtout à la Farfouille et quelques-unes à Action dans l'autre Action. Là, j'avais trouvé des bougies, mais en fait, je n'ai pas de bougeoir, donc je les ai reposées à la fin. Dommage pour moi. Donc voilà, pour les bougeoirs, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. J'espère aussi que le son sera bien parce que mon logiciel, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, il ne veut plus fonctionner du tout en fait. Donc j'ai dû prendre un autre logiciel, heureusement il y en avait un de gratuit, sinon j'aurais plus fait de vidéo. Non, j'ai essayé toutes les astuces, tout ce que je pouvais pour essayer de trouver où était la cause, mais je n'ai pas trouvé la cause du pourquoi et du comment, pourquoi mon logiciel avait décidé de ne plus fonctionner. Donc je suis vraiment désolée si le son n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Il y avait aussi des nouvelles boîtes à bijoux. J'en ai pris une. J'ai pris celle-là parce que je la trouvais trop mignonne. Vous la verrez de toute façon à la fin avec le haul que je vous ai dit aussi. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, je crois, dans l'intro. J'ai dit qu'il y aurait un haul à la fin. Je me suis un peu trompée aussi au niveau du... Ça, c'était des sortes teddy. Un peu ce style mouton, les rideaux. C'est très tendance ce style-là. Un peu... Je crois qu'ils appellent ça le style teddy. Même Halloween et tout, il y avait beaucoup de choses. Il y a eu même pour Noël, donc je me suis permise de vous faire quelques vidéos de Noël. je cherche en fait avec une amie, on essaie de chercher quelque chose de précis, donc c'est pour ça. On cherche des petites maisons, mais c'était pas ce style-là de maison que je vous ai montré juste avant. Moi je suis trop curieuse, donc c'est pour ça que je suis allée voir le côté de Noël. La Farfouille, vous n'avez pas de côté de Noël, désolée pour ceux qui aiment La Farfouille et leur côté Noël. Là j'ai cherché des fleurs, mais en fait ce n'était que des fausses fleurs, ça peut être bien vu qu'on est bientôt... Non, on est trop loin. On est déjà en octobre, mais un mois après vous avez la fête des morts le 1er novembre, donc c'est pour ça. Et tant pis. Il n'y avait pas ce que je voulais, même les boîtes. Je vous montrais les boîtes, je suis désolée, il n'y a pas les prix surtout. C'est fait exprès parce que vraiment, je voulais vous faire un petit vlog comme moi je le vois en fait, comme si vous étiez avec moi. Donc c'est pour ça que je vais assez vite, je n'ai même pas regardé les prix pour vous le dire. Donc si vous n'aimez pas que ça aille trop vite, cette vidéo est vraiment pas faite pour vous en fait. Donc voilà, là je vous montre pas mal de choses. Ça, ces caisses-là sont tendances aussi. La première fois que j'en ai vu, c'était chez Emma, donc j'en avais acheté beaucoup chez Emma et c'est trop pratique. Vous pouvez les mettre les unes sur les autres, vous pouvez acheter des grandeurs complètement différentes. Ça permet aussi de pouvoir mettre des cahiers, des crayons, etc. Là, j'ai pris ce coussin-là avec marqué Amour à 7,99 €. Ah, il y avait Love aussi derrière. En fait, j'ai vu que le premier, moi, j'ai vu que celui qui est où c'était écrit Amour. Donc, je suis désolée que je vous ai pas montré. Ce qu'il fallait aussi, vous avez aussi tout ce qui est
Arbre à chat, vous avez des promotions. Je me suis dit pourquoi pas mettre ça dans la douche, mais en fait le problème c'est que vu que c'est croisé, ça prenait beaucoup de place. Après, je pense qu'on peut les mettre d'une autre façon, mais j'ai pas cherché à réfléchir, donc je ne les ai pas prises. Après, vous avez tout ce qui est meubles, même le meuble pour l'entrée avec pour mettre dans l'entrée pour s'asseoir, pour mettre vos chaussures, je le trouvais super sympa. Même cette boîte, vous pouvez les mettre dans les meubles juste en bas, ça fait un peu comme chez Ikea. Et en fait, vous pouvez mettre les boîtes ensuite. Donc voilà, vous pouvez mettre des boîtes ensuite. Moi, j'en avais acheté des boîtes pour mettre dans celles dans mes étagères de chez Ikea. Et c'était bien pratique. Après, vous avez un côté tout ce qui est déco pour... Je vous ai fait en grand angle, je crois, par moment. Je suis désolée si ça change d'angle au fur et à mesure. Là, c'était vraiment un grand angle pour vous montrer un peu la déco qu'il y avait pour l'automne. J'ai pris une couverture comme ça pour mettre au niveau de ma chaise de bureau. J'ai aussi pris des fleurs qu'il y a juste en dessous. Vous en avez différentes sortes. Donc voilà. Ça va, après la vidéo, je suis en train de regarder en même temps que vous. Je trouve que ça va pas trop vite. J'avais vraiment peur que ça aille trop vite. Après, juste pour vous dire, on va à Jiffy et Stokomani. Ça m'a donné plein d'idées de vidéos aussi par la suite. En tout cas, j'espère que ça vous plaira vu ce que vous aimez pour l'automne, pour tout ce qui est décoration et tout. Je pense que ça vous... J'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi si ça vous plaît et tout. Franchement, moi, je suis fan de vos avis. Là, vous m'avez donné beaucoup, beaucoup d'avis pour un outfit que j'ai fait et je l'adore. Je sais que le pantalon, il est un tout petit... Il... serré, mais moi je l'aime trop. Franchement, je me sens un peu, je me sens même à l'aise dedans, juste un peu serré quand même au niveau des hanches un peu et du ventre. Mais j'ai prévu de reprendre la salle de sport, donc vous inquiétez pas, je vais vous le tester plusieurs mois après et comme ça vous verrez qu'il me va super bien. J'ai aussi pris un pot pour mettre les fleurs, donc j'étais en train de regarder les couleurs. Le rond, il n'allait pas du tout en fait, c'était tellement fermé que j'aurais pas pu mettre les fleurs, les fausses fleurs, plutôt les fleurs séchées dedans. Il y avait ce vase-là, mais je me disais qu'avec l'appartement, plus la couleur qu'il avait, je trouvais que ça allait pas du tout. Après, il était super joli, j'aime beaucoup ce style de visage. J'en ai pris un autre, vous allez voir, je vais vous le dire à quel moment celui que j'ai pris. Comme ça, vous verrez aussi. Et en fait, celui que... De toute façon, vous avez dû voir dans la photo de profil ce que je vous montrais et tout. En ce moment, je sais pas comment vous faire les photos, mais vu que j'arrive à faire plus de choses au niveau montage. J'arrive à évoluer en montage pour vous faire les miniatures et je vois que ça vous plaît, donc je vais continuer sur ce chemin-là. Voilà. Donc voilà le vase que j'ai pris, que j'ai enlevé juste la ficelle parce que j'étais vraiment pas très fan du style ficelle plus le vase. Voilà, c'est pour ça que j'ai juste enlevé celui-ci. Peut-être que quand on sera dans le magasin Action vers la fin, je vous mettrai juste de la musique, mais ne vous inquiétez pas, on va rester un petit moment ensemble. Je suis désolée, je vais boire un tout petit peu d'eau parce que j'ai très soif en vous parlant. J'ai décidé de vous faire des... Quand je vous fais les vidéos avec un audio extérieur, on va dire, de vous faire un truc un peu plus sympa, genre vraiment, par exemple, peut-être manger un petit peu, boire, on va se faire des petits vlogs un peu plus sympas. J'ai décidé de vous faire des trucs assez sympas, donc j'espère que ça vous plaira. Désolée si vous avez les bruits de bouche. Oui, en fait, j'avais plus de place dans mes bras, donc c'est pour ça. Je suis allée chercher un panier, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup beaucoup de vases de couleurs, donc je cherchais moi surtout un qui était un peu rosé pour faire un rappel avec les fleurs que j'avais pris. Et franchement, celui-ci il va très bien, il est un peu un orangé rose, en plus il va très bien avec le coussin comme vous pouvez voir. Franchement, je suis fière de moi dans les tout ce qui est niveau comment je trouvais que ma tête était sympa, donc je vous ai fait une petite photo entre temps aussi. Que je ne posterai jamais. J'aime juste vous faire des photos des fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, vous avez pas mal de décorations quand même à la Farfouille. C'est pour ça que j'y suis allée. Je suis très fan même à Noël. J'adore parce qu'ils font tout ce qui est décoration.
intérieur. J'ai zappé un moment. C'est pour ça que là, je vous ai repris juste après. C'est dommage, j'ai pas trouvé énormément non plus. Les petites guirlandes que vous avez dû voir juste avant, elles sont trop bien. J'avais ça une année et j'avais collé ça au mur. Et le papier peint, il a souffert avec. Je suis vraiment désolée pour le papier peint, c'était pas voulu. Il a souffert et en fait, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez mettre des petites LED, c'est super mignon. Là, maintenant, j'en ai mis. Je vais en remettre une plutôt. Sur au niveau du bureau, j'en avais déjà mis sur le bureau pour faire un style un peu plus classe. J'ai pris un tapis de sol aussi pour la salle de bain. Celui-ci que vous voyez juste devant vous. 45 x 50. En fait, je pensais que la vidéo, vraiment, je l'avais mal faite et que ça allait trop vite et tout. Mais finalement, je suis assez contente du résultat. Ça va pas trop vite pour le moment. Et là, en fait, j'ai regardé juste derrière après la vidéo pour. Comment ça s'appelle? La vidéo. Le tapis plutôt. Je crois que je suis en train de bugger en même temps. Je suis désolée, je me suis réveillée depuis 7 h du matin. Pour aller en cours et pour aller faire autre chose très tôt le matin. Donc c'est pour ça que je me suis levée extrêmement tôt. Mais ça fait tellement du bien de voir sa journée aussi. Je vous conseille de vous lever tôt. Mon conseil du jour, vous levez tôt et faire tout ce que vous avez à faire le matin. Moi, c'est le meilleur moment pour que je sois le plus actif. Là, vous avez... Excusez-moi. J'ai encore bu un peu d'eau. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de donc voilà après vous avez des pour les toilettes, vous avez pas mal de décorations, vous avez les tapis de douche, vous avez tout ce qui est salle de bain. Alors dans la salle de bain j'ai trouvé un panier que j'ai failli prendre. Celui-ci je le trouvais trop joli pour je crois qu'il était presque à so entre allez, 40 et 60 euros. J'avais trop d'idées pour lui mais finalement ça ne s'est pas fait, c'était pour mettre dans la chambre. Si pour faire un truc un peu plus petit, en fait, j'ai décidé de faire des fois acheter des choses plus petites pour ranger mieux les choses et afin d'avoir plus de place après dans la chambre ou autre. Donc voilà, excusez-moi, je me suis craqué les doigts entre-temps. Donc voilà un peu ce que j'ai pris pour la farfouille. Je vous ai montré vaguement, je crois que j'en ai eu pour 40 euros quand même. C'est un peu beaucoup. Et après, je suis partie à Jiffy. Alors, Jiffy et Stokomani, que vous allez voir juste après, je n'ai rien pris du tout parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Mais il y a quand même quelque chose à Stokomani qui m'a un peu tentée. Donc là, en fait, Jiffy a fait un système. Ça, c'est très tendance aussi actuellement. Jiffy a fait un système pour que vous puissiez passer, en fait, devant chaque article. Ça m'a fait vraiment penser à... Attendez, j'ai le mot en bouche à Normal aussi. Vous aviez ces produits-là que moi j'ai découvert chez Normal. Vous les aviez, ils sont un peu moins chers à Normal. Vous avez tout ce qui est coussin aussi. Et franchement, il y a des choses quand je filme, je remarque même pas ce que je fais des fois. Ça, je me souvenais d'avoir vu. Ça, c'est super bien pour vous les étudiants. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo étudiante avec les bons plans. J'avais trouvé pas mal de bons plans à droite, à gauche. Ça pourrait être hyper intéressant pour vous. Ça vous tenterait aussi. Mais j'ai décidé, vu que je suis étudiante depuis trop longtemps, et je ne veux pas m'arrêter parce que c'est trop dur de reprendre après la fac en fait en cours. J'ai des amis qui essayent de reprendre la fac, mais personne n'accepte qu'elles y soient. Donc c'est très 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 complexe. Donc c'est pour ça que je continue à m'acharner et je ne tomberai pas. Donc voilà, je ne vais pas louper ce que ma chance. Donc c'est pour ça que je continue à rester à la fac jusqu'à temps que j'ai ma licence. Voilà, vous savez tout maintenant. Là, ce sont des gommes. Nous avions des fausses plantes aussi. Je me suis dit peut-être que ça peut être sympa et tout. Mais ça fait trop printemps, donc je ne les ai pas prises. C'était des fleurs de cerisier. Donc en général, les fleurs de cerisier, je crois que c'est plus au printemps qu'on les voit. Donc je ne les ai pas prises quand je vous disais juste à l'instant. Je crois que la vidéo, elle se termine après à la fin quand je vous disais par un vlog. Pardon, on est déjà dans un vlog. Les achats que j'ai faits, en tout cas j'espère que ça peut vous plaira, j'ai trop envie de vous faire des trucs un peu différents de ce que je fais actuellement.
Là, c'était tout le côté Halloween, donc vu que c'est pas encore Halloween, j'ai préféré ne pas y aller. Il y avait une jolie araignée, j'espère que vous n'avez pas peur des araignées. Si vous avez peur du... Si vous avez une phobie, dites-le moi dans les commentaires. Ou bien j'ai trop envie de vous faire un truc pour Halloween, vous. Ou peut-être que je vous ferai mon expérience à moi par rapport à tout ce qui est paranormal. Après, il n'y a pas beaucoup de lumi... y a beaucoup de luminosité dans l'appartement, même le soir. Donc, je ne sais pas si je vais vous faire un truc. J'aimerais bien vous faire un petit truc un peu sympa. En plus, il y a la lumière de la lune des fois. Donc, j'aimerais bien vous faire un... Voilà, quand je vous disais un truc un peu sympa. Là, c'est super bien pour organiser votre bureau. S'il est petit, vous pouvez mettre des choses en hauteur, rangées. Ça fait comme un petit coffret finalement. Vous pouvez ranger tout ce que vous souhaitez dedans, pot à crayon, crayon, vous pouvez ranger les agrafeuses perforatrices. Après là, on était plus vraiment sur de la déco avec des roses et autres, donc ça me tente pas trop. J'avais pas trop d'idées, mais ce que j'ai pris à la farfouille, j'avais beaucoup d'idées à la farfouille surtout. Après la bougie, par exemple, orangée juste en bas, cherchez vraiment des teintes en fait orangées. Je trouvais ça plus chez Action vers la fin de la vidéo. Des teintes orangées, marron, vraiment automne, automnale quand les feuilles tombent. Marron, orangé, un peu vert, vert qui commence à devenir jaune. J'ai cherché ces teintes-là, mais j'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, comme je vous disais, après, vous avez aussi des miroirs de ce type-là. En fait, vraiment, en tout cas, quand moi je regarde la vidéo, à part les prix qu'ils ne sont pas mis, mais ça, vous pouvez aller voir de par vous-même ensuite, je trouve que la vidéo n'est pas trop vite non plus. Peut-être tout au début, quand je suis allée chez Action la première fois, peut-être que c'est un peu vite, je peux le reconnaître, mais après le reste, ça va. Et aussi, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce point-là. Je voulais vous dire que pour Action, maintenant, ce sera tous les vendredis soirs. Je ne peux pas en semaine. En ce moment, je ne peux pas trop parce que j'ai beaucoup de cours. Donc, si je peux vous gérer ça et vous le mettre plus, par exemple, le vendredi à midi, si vous souhaitez, un peu plus tôt. Donc c'est pour ça, là on part à Stokomani. Je suis désolée, je vous ai pas montré l'enseigne aussi de la... L'enseigne, il y avait beaucoup de choses pour les animaux. Je suis pas allée jusqu'au fond parce qu'ils étaient en train de ranger le magasin. Donc je voulais vraiment pas les embêter non plus. Donc voilà. Vous avez tout ce qui est cahier, livres. Vous avez des vêtements pour les enfants. Des jouets, je pense que ça commence aussi. Je sais qu'il y a énormément de personnes des fois qui font d'avance des achats pour Noël, genre des vêtements. Vous pouvez vous faire des vêtements. Là, il y a le air fryer, comme ça, très tendance actuellement, à 25 euros. Je crois que j'avais payé, j'en avais eu un à un moment donné il y a très longtemps. Je l'avais payé 25 euros à Action. Là, vous avez un assortiment. Ouais, assortiment, ouais. Rangement, j'ai hésité à le prendre pour remettre au niveau de la cuisine, pour mettre les couteaux, les épices, vous pouvez mettre vos éponges et tout. J'ai vraiment hésité, en plus la marque 5 5, si on veut vraiment le dire, parce que sinon c'est 5 5. Je sais pas si, si c'est compréhensible, 5 5. Donc voilà. Ça fait 1, 2, 3. Faux, faux. J'étais à 4, 5, je m'étais en train de me dire 5, c'est 4, mais non, c'est 5. Je me trompe pas. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui est tasse. Les tasses étaient trop mignonnes. Il y a une bouilloire, j'ai hésité à la prendre. Elle était trop chou aussi. Je sais pas si je vais vous la montrer. Non, désolée pour vous, je ne vous l'ai pas montrée. Je suis désolée, monsieur. Qu'on vient juste de voir, je suis sûre qu'il ne regardera pas la vidéo, donc ce n'est pas grave. Vous avez aussi des produits Sense. Les produits Sense sont une bonne marque aussi. J'ai acheté certains chez Norma. J'ai beaucoup aimé. Après, vous avez tout ce qui est soin pour les cheveux. Vous avez aussi des... C'est comme des boîtes, mais j'avais l'impression que c'était plus pour mettre votre linge sale dedans. C'est pliable et comme vous voyez, c'est rétractable comme les boîtes que je vous ai montrées en plastique à la farfouille. Vous avez ce style de boîte aussi.
Moi, j'ai acheté quelques boîtes aussi chez. Je suis en train de réfléchir en parlant avec vous. C'est chez Sostren Grain aussi. J'attends une petite commande de chez Sostren Grain. J'espère que ça vous plaira. Ce sera assez rapide. Mais c'est surtout pour faire du rangement au niveau du bureau. J'ai eu plein d'idées au niveau du bureau pour vous faire des rangements. Il va y avoir vraiment même des vidéos du Maroc que je n'ai pas eu le temps de vous poster. Il va falloir que je vous les poste. Il va y avoir du changement un peu sur la chaîne, un peu voyage. Il y a aussi un voyage qui se prépare que j'ai hâte de vous proposer aussi, qui j'espère vous plaira. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses, de projets en perspective actuellement. Et on arrive vraiment vers la fin. Là vous avez vraiment tout ce qui est décoration. Là, vous avez ça, c'est plus pour vous offrir, je trouve, des bougies différentes. J'ai l'impression que vous en avez 8, 10 dedans. J'ai mal compté, je sais. Vous allez me tomber dessus encore. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc voilà, tout ce qui est miroir. J'ai même fait tomber quelque chose, vous allez voir juste après. Moi, c'est vraiment naturel, je vous laisse tout jusqu'au bout. Vous avez tout ce qui est pot à fleurs pour mettre vos fleurs de vos chéris ou bien même vous si vous en achetez un. Là, je ne l'ai même pas touché ou presque pas. Il est tombé par terre. J'ai dit, ok, c'est bien Axel, tu fais tout tomber maintenant. Donc voilà pour celui-ci qui vient de se casser la figure, le pauvre. Il n'est pas cassé. Heureusement, vous avez aussi du make-up chez... chez Sostren Grain, maintenant je vais parler. Chez Stokomani, vous avez du make-up qui sont pas mal aussi. J'ai jamais testé leur make-up à Stokomani, pourquoi pas vous faire un jour. Mais j'ai trop de make-up donc je pourrais pas vous vraiment. Peut-être un jour plus tard, on verra. Dans 3, 4, 5, 6 ans, quand j'aurai vraiment fini les palettes de make-up. Pourquoi pas vous faire ça? Là, c'est des rouleaux de sopalin réutilisables. Vous avez ensuite des boîtes. Moi, j'aime bien leurs boîtes à pain que j'avais acheté il y a très longtemps. J'ai acheté la noire qu'il y a derrière, mais il n'y avait pas de logo dessus que j'ai gardé et qui est super pratique pour ranger tout ce qui est gâteau. Je range même pas des je range même pas des du pain. Là aussi c'est des sprays pour mettre de l'huile dans vos poêles. Je sais que ma belle-mère elle en a acheté un et il est vraiment pratique. J'aurais dû acheter au Maroc, il était beaucoup moins cher à 1,80€, à peu près 2 euros au Maroc. Là, vous l'avez à 3-4 euros. Mais bon, c'est comme ça. Et j'en avais pas forcément besoin aussi, c'est pour ça. Vous avez tout ce qui est tasse. Comme je vous dis, vous avez beaucoup de choses. Et là, on va passer à Action. Donc, ça veut dire que je vais vous laisser là. Si vous avez des commentaires ou autres à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vais vous mettre avec une petite musique. Ne vous inquiétez pas, la musique ne va pas durer 50 ans. Vous allez voir, normalement j'ai pris quelques articles. On voit pas tout de suite les articles pour... Vous allez voir des articles de Noël. Vous allez voir des articles, les bons plans de la semaine aussi, assez rapidement. Je voulais vous faire une vidéo et en fait il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai pas voulu non plus embêter les gens quand même. Donc voilà, vous avez pas mal de bons plans pour cette semaine. Il y a même des calendriers de l'Avent déjà. Donc je vais vous laisser ici. On se retrouve tout de suite pour le haul d'ici 27. Au bout de peu près dans 4 minutes, on se retrouve pour le haul. Donc j'espère que ça vous plaira cette partie-là. Il y aura les décorations de Noël et un peu automnale aussi. C'est dommage que il n'y ait pas assez comment d'articles pour l'automne.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, je sais, je suis allée assez vite. On va peut-être me le reprocher. J'ai essayé de faire mon, pas mon maximum, mais c'était une sorte de vlog que j'avais envie de vous faire. Pas, elle n'était pas terminée la vidéo, mais c'est terminé pour moi les magasins. Maintenant, je vais rentrer à la maison et je vais vous faire une vidéo par rapport à ce que j'ai pris, vous faire un haul et vous montrer à peu près où je mettrai les choses. Bon, il y a un petit peu de bazar à la maison encore. J'ai pas encore tout terminé. On est rentré que la semaine dernière. Je fais du tri au fur et à mesure pour la maison. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude d'aimer, partager, commenter et je rentre tout de suite à la maison. C'est bon, là je suis rentrée à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est surtout beaucoup de choses à la parfois, il y a 2-3 trucs à action. Je ne sais pas si je vous fais dans l'ordre ou dans le désordre. Je suis désolée, je n'ai pas rangé la couverture, mais je ne voulais pas. Il fait tellement froid que c'est pour ça que je l'ai sorti. Alors d'abord, on va commencer, je pense, par la farfouille. Et j'ai pris ce tapis pour la salle de bain. Je le trouvais très sympa. Ça fait automne et aussi été. Des couleurs qui me rappellent vraiment ces saisons-là, en tout cas. J'ai. Là, c'est. J'ai pris un coussin que je trouvais super mignon, avec marqué amour de différents coloris que je pense que je vais mettre ici. Ça ira très bien avec les couleurs en bas. Plus c'est des couleurs que vous pouvez mettre souvent. Du rouge, du jaune, du couleur saumon, même pas, c'est même pas du rouge, et du vert, turquoise même. Si on veut vraiment être dans le petit détail, c'est plutôt turquoise. Une couverture aussi qui ira avec. Je trouve que ça allait bien ensemble et cette couleur marron orangé fait vraiment les feuilles qui tombent. De la marque Atmosfera, 125 sur 150, c'est marqué extra doux. Ça, vraiment, je vous jure, c'est extrêmement, même très très doux. Donc voilà, pour celui-ci. Et ensuite, pour les escaliers, j'ai pris. Je pense que je vais enlever la petite ficelle parce que j'aime pas du tout. C'est marqué fleurs sauvages et en fait, je vais mettre cela dedans. Donc j'ai pris des feuilles comme ça. Des fleurs séchées, ça fait trop penser aux dunes qu'il y a en Bretagne. Je sais même plus comment ça s'appelle ces petits. C'est tout doux, c'est tout mignon. Là, c'est à 12,99 et c'est Atmosfera toujours. Ici aussi Atmosfera, j'aime trop cette marque Atmosfera. Donc je pense que je mettrai les deux ensemble. Après, j'ai pris juste une toute petite guirlande assez sympa chez Emma avec juste des citrouilles. Guirlande lumineuse, j'ai aussi repris une guirlande lumineuse avec là des citrouilles. Je sais pas trop où je vais la mettre, je pense au niveau peut-être de l'escalier, faire quelque chose dans l'escalier, mettre la guirlande dans l'escalier. Une autre petite décoration, ça, et ainsi que le vase, ce sera dans l'escalier pour faire quelque chose de mignon. Ou bien sur le meuble à chaussures, mais ça faudrait que je réorganise le dessus du meuble à chaussures aussi. Cette petite guirlande de feuilles va être au niveau plus du bureau. J'ai pris juste des petites choses parce que je sais que je peux ranger juste après. Et en dernier, j'ai pris cette boîte à bijoux pour au niveau de la salle de bain. Il faut vraiment que je range tous mes bijoux. J'en ai. Plus, il y en a plein qui ont perdu de la couleur, se sont oxydés avec le temps, donc ils sont vraiment moches. Il faut que je trie tout ça. Comme ça, j'aurai une boîte bien avec tout ce qu'il y a, tout ce que je pourrais voir dedans. Par exemple, les bagues, les boucles d'oreilles aussi. Donc voilà, je la trouvais super sympa et elle faisait penser vraiment automne. Vous aviez deux coloris différents. Vous avez celle-là plus en bois foncé et vous en avez une un peu avec du bois un peu plus clair. Donc la vidéo est terminée. Comme je vous avais dit, je vous ferai un haul vraiment à la fin de la vidéo. En tout cas, la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter. Et on se retrouve évidemment bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se dit salut, salut, prenez soin de vous.